Derrière une vitre blindée, le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Il finit son discours lorsqu'une détonation retentit. Ils sont des dizaines de milliers à être venus l'écouter sur cette place centrale d'Addis Abeba. L'explosion a déclenché un immense mouvement de panique. Le Premier ministre a été mis à l'abri. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'une grenade lancée dans la foule. Un bilan provisoire fait état de plusieurs dizaines de blessés, dont certains dans un état critique. Suite à l'explosion, des manifestants anti-gouvernement ont envahi la scène. La police est intervenue quelques heures plus tard pour dégager la place. L'Éthiopie est en état d'urgence depuis 10 mois et le début du plus important mouvement de protestation qu'ait connu le pays en 25 ans.